La levée des morts, l'événement pour préparer l'entrée sur Shadowlands vient d'arriver sur les serveurs live. Du 11 novembre jusqu'au 24 novembre, du coup, on aura le droit à cet événement et pouvoir y participer. Dans cette vidéo, on va voir un résumé super rapide de l'événement. Tout ce que tu peux y obtenir, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'il contient exactement. Afin que tu saches tout et que tu puisses aller à l'essentiel, voire même savoir si ça t'intéresse réellement de le faire. C'est parti! Bon, déjà, le plus important, pourquoi est-ce que tu ferais cet événement? Qu'est-ce que tu peux y gagner? Déjà, tu peux gagner cette magnifique mascotte que tu peux voir à l'écran. Ensuite, tu peux obtenir un balai pour nettoyer le fléau au sol. Ouais, c'est vachement important de nettoyer le fléau au sol. Et sinon, tu peux acheter du stuff qui est level 100. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les pièces comme le torse, les épaules, etc. ont des stats. Et oui, parce que le cœur d'Azeroth est désactivé dans les terres sombres, dans les Shadowlands. Là, au moins, du coup, tu pourras directement avoir une pièce d'équipement qui a des stats. Et ça, c'est super intéressant. En outre, tu peux également obtenir du stuff e-level 110 directement sur les monstres rares. Mais ça, je vais t'expliquer un petit peu plus loin comment fonctionne le système de monstres rares pendant cet événement. Pour te donner un ordre de comparaison, du coup, le stuff que tu peux acheter, c'est l'équivalent du stuff normal de Nihalota. Et ce que tu peux looter sur les monstres rares, c'est-à-dire 110 en e-level, c'est l'équivalent de ce que tu peux looter en héroïque. Donc c'est vraiment super intéressant. Et ensuite, pas des moindres, plutôt des moindres. Tu peux avoir un petit objet qui tombe sur les monstres rares dans ton sac et qui te fait des apparitions de monstres que t'auras dans Shadowlands. Voilà, je te mets un petit exemple à l'écran. Voilà, si c'est quelque chose qui te fait kiffer, en tout cas, c'est possible de l'avoir. Au niveau du contenu, tu auras une quête principale qui se déroule en trois phases. La première, c'est l'invasion du fléau. On va aller te demander de vérifier si c'est un peu la merde ou si ça va. Et c'est clairement la merde, le fléau il est partout, comme tu peux le voir là sur la vidéo. Il va falloir faire quelque chose. Donc tu décides d'aller casser la bouche à Nathanos parce qu'il le mérite. Donc là, tu peux carrément lui faire un sèche salut et ensuite lui balancer ton meilleur burst possible à la tête. Et normalement, il devrait succomber. Et ensuite, du coup, tu vas te diriger vers la citadelle de glace, là où les choses se passent vraiment. Et là, à partir de là, du coup, tu auras accès à pas mal de petits trucs. Donc, il y a l'avancée de la quête principale, évidemment, à faire, qui va te permettre, entre autres, de récupérer des badges qui te permettent justement d'acheter ce fameux équipement, cette mascotte, ce balai. Et en plus de ça, tu auras pas mal de quêtes journalières, comme là, par exemple, tu peux le voir, où il faut aller poser des bombes, ou alors il faut récupérer des champignons sur le sol. Une fois que tu auras fait toutes ces petites quêtes, normalement tu devrais gagner l'équivalent par jour avec toutes les quêtes journalières de 17 récompenses d'argent. Pour information, une pièce d'équipement c'est 15 récompenses d'argent pour te donner une idée. Mais il y a également un autre truc qui est très intéressant, c'est que 1. Déjà tu peux tuer les monstres et ça peut te récupérer des pierres de fléau vertes. Tu peux en échanger 25 contre une médaille, mais surtout tu as un système de rares. Et ça c'est important que tu le comprennes bien histoire que tu te prennes pas trop la tête et que tu gagnes ton temps. En gros, toutes les 20 minutes, tu as un rare différent qui apparaît sur la map. Le fait de le tuer, ça peut te donner une pièce d'équipement en 110. Donc déjà, c'est super intéressant. Ensuite, ça te loot entre 30 et 40 pierres noires. Sachant que tu peux échanger 25 pierres contre 3 médailles. Donc déjà, tu vois l'intérêt. Tu vas vite te faire des médailles et vite te faire du stuff. Mais en plus de ça, ils lootent leur objet unique qui leur appartiennent. Donc c'est-à-dire que, par exemple, tu peux looter des montures sur certains monstres, ou il y en a un autre, comme Bronjam, où tu peux looter carrément un sac de 34 emplacements. Donc si tu veux le bon, si par exemple tu veux à tout prix ton sac 34 emplacements de Bronjam, et je te comprends carrément, il va falloir attendre 6h40 entre chaque pop de Bronjam, mais bon, une fois que tu sais l'heure, t'as juste à t'y rendre, attendre le pop, le tuer avec tout le monde, subir ton petit lag, et ça devrait bien se passer. Bon, ce qui est vraiment super important, c'est de comprendre un truc, c'est que la rotation, elle est fixe au niveau des rares qui apparaissent. Il y a 20 rares différents, et à chaque fois, ils apparaissent avec un intervalle de 20 minutes d'écart entre chaque apparition. Mais on sait déjà c'est lequel qui va apparaître, et on sait déjà ses coordonnées. Donc par exemple, si tu veux savoir, tu as juste à aller sur le lien de ma Meetwing que je te mets en description, ou sur le lien de Wohead, les deux références, c'est la même chose. Comme tu peux le voir, par exemple, ma Meetwing, ils ont mis des numéros. Donc il y aura toujours 2 qui va apparaître après 1, et après 2, il y aura 3. Yeah! Et une fois que tu as fait le 20e, ça revient au premier, etc. Donc tu sais à l'avance où tu vas te diriger, tu sais à l'avance exactement où il va apparaître. Donc en gros, tu as juste à t'y diriger, mater ta série, attendre qu'il apparaisse, le tuer et tu seras tranquille. Dernier petit conseil, ouais, mets-toi en war mode off, tu seras bien plus tranquille pour l'événement. Voilà, maintenant tu sais quasiment tout ce qu'il y a à savoir. Donc après, il y a juste une petite info de fin que je t'ai pas dit, c'est que la quête principale, il y a une suite qui se déroule à partir du 18 novembre. Donc tu auras accès à de nouvelles quêtes journalières à partir de ce moment-là, et si tu veux le HF nécromancier, ou simplement t'intéresser un peu au lore et voir comment ça se passe, je t'invite clairement à revenir sur les serveurs de WoW à partir du 18 novembre pour aller finir cette partie-là.
Je te souhaite une excellente journée, prends super bien soin de toi et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos.